l'aînée. Moi, c'est responsable RENAXAN. RENAXAN, qui c'est réseau national des groupes sanguins de résus négatif. C'est une organisation sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour la vie et la santé. RENAXAN, lancé en 2017. Et nous travaillons dans un champ bien spécifique qui c'est question transfusion sanguine avec un volet sous le monde qui a un groupe sanguin de résus négatif. Dans un langage assez courant, monde qui a un groupe sanguin avec signe moins. C'est des groupes sanguins extrêmement rares à travers le monde et ont gagné des besoins spécifiques en matière de transfusion sanguine. Alors nous-mêmes comme journalistes, nous souvent ouais les gagnent des besoins pour mon sayo et des demandes qui faites, c'est à travers les médias sociaux et médias traditionnels et tout que des demandes produits et pour arriver jeune sang pour mon sayo. Dans la majorité des cas, au niveau du CNDS qui se centre national de transfusion sanguine, pas facile gagner sans ça ou en stock. Et comme moi-même, moi c'est un monde qui gagne groupe sanguin résus négatif. Et à partir de 2017, nous avons dit tête moins. Et comme il y a un problème, ça a difficulté ça pour mon sang au jeune sang, qui ça m'a fait? Et à partir de là, moi lancé RENAXAN. Et là, j'ai lancé RENAXAN, moi j'étais pour compte moins. Et c'était un véritable marathon que nous étions obligés de faire dans les médias pour permettre que je dis en capable de dire haut et fort que nous gagnons une quantité de membres considérables qui sont capables de répondre avec besoin. Au niveau RENAXAN, nous faisons diverses activités de sensibilisation, de promotion pour permettre que y ait plus de sang qui est disponible dans le pays. Nous faisons au moins 3 activités pendant l'année. Nous faisons en février, en mai et en décembre. C'est des collectes de sang que nous faisons dans tête collée avec le programme national de sécurité transfusionnelle. Et RENAXAN, je dis, présent au Cap Haïtien avec support CNSCA, qui est le Conseil national Société civile haïtienne, qui sont structures qui gagnent une représentativité au niveau national, qui gagnent plus de 450 organisations membres, et RENAXAN lui-même dans la coordination nationale. Et c'est avec eux-mêmes nous vivons ça. Nous passons pendant le passage, nous ici dans diverses émissions. Et puis, nous avons visité le poste de transfusion qui est dans la rue 17P1, côté que c'est là, mon nom Albaïsan. Et puis hier, nous sommes allés au niveau de Milo, dans l'hôpital Sacré-Cœur, côté nous avons visité le poste de transfusion qui est là dans la. L'idée en soi, c'est garder qui véritable difficulté que nous avons confronté au niveau de PTSAO. Regardez, est-ce que il y a des campagnes de sensibilisation qui fait pour permettre que il y ait plus de sang qui est disponible dans le pays. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes, nous avons fonctionné. Qui ça comme difficulté, ça nous donne, ça va apporter nous. Et difficulté en pile dans la mesure où nous n'avons pas gagné la culture du don de sang. Leur besoin pochette sang, c'est avec un peu de difficulté pour vivre jeune. Et je dis à personne, moi, je pas qu'à être sur une garantie qu'il n'y a pas besoin de pochette sang un jour. Quelle que soit la catégorie sociale ou quelle que soit la quantité de corps, vous êtes capable de gagner des gros besoins pochette sang. On a même bateau avec tout le monde. Et ça fait comme organisation humanitaire, nous avons fait promotion pour permettre que mon arrivée comprenne la nécessité pour impliquer dans la campagne de sensibilisation et pour gagner plus de sang qui est disponible. Pour dire nos visites de côté, il y a madame Semino, comment est-ce qu'il dure et la connaissance de l'administration? Alors, la plus grosse difficulté, mon yogien, c'est que à travers le pays, quel que soit sang qui est collecté, et traitement va le faire pour Port-au-Prince. Ça qui vient de faire que les résultats revenus n'ont pas arrivé à temps, et il y a des pochettes qui sont obligées de gaspiller, et il y a des séries de monde qui sont en mourir parce que sang pas jeune à temps. Nous-mêmes, au niveau de la nouvelle Port-au-Prince, nous allons soumettre un rapport à PNST pour nous demander quelles possibilités qu'il y a. Nous connaissons à côté, mais pour permettre que les tests soient capables de faire exactement dans la ville côté sans collecter, en façon pour que les pochettes soient capables de disponibles beaucoup plus rapide. Et puis, il y a un problème de matériel, de pochettes. Il y a un problème pour vraiment aiguille, pour piquer mon tout ça, ensemble de matériel qui n'est pas gagné. Et c'est ça, nous allons regarder avec le docteur Ernst Noël, qui est responsable PNSTA, comment il est capable de permettre que le matériel soit arrivé à temps. Et puis, il y a un problème de sensibilisation, il n'y a pas de trop de donneurs volontaires, il y a plus gagner des donneurs familiaux, ça veut dire des séries de monde qui viennent bailler sang pour malades, pour d'autres monde qui ont le besoin. Qui l'a noté dans le Cap-Haïtien qui l'a piqué? Nous, là, depuis dimanche, on a quitté demain, si Dieu veut.
parce que nous n'avons pas trop de temps et nous avons fait tout ça que nous avons pour nous faire, nous visiter PTSO, nous rencontrer des confrères de la presse, nous rencontrer l'association pour nous garder comment capable d'implémenter une cellule de résus négatif au niveau du Cap Haïtien. Est-ce que c'est un cadre d'entourage national ou bien c'est seulement Cap Haïtien en nord de visée? Alors, premier pas, nous faisons dans la ville Cap Haïtien, en août, dans le sud. Et en septembre, dans le sud-est, en façon pour nous vraiment garder comment au niveau national, nous sommes capables de réduire le risque pour nous mourir pour une pochette de sang. Dans le département là, vous mentionnez par une culture baïsan, est-ce que vous avez un message? Qu'est-ce que la culture baïsan des nationales? Okay. C'est dans tout pays où nous parlons de baïsan. Et ça qui fait pas de baïsan, c'est parce que vous comprenez la nécessité pour impliquer. Je veux dire, dans le pays qui a une sécurité, qui a un accident de circulation, il y a des gens qui ont fait traitement pour dialyse, il y a des gens qui n'ont pas couché de femmes qui ont fait césarienne qui ont besoin de sang, il y a des gens qui ont fait des traitements cancer qui ont besoin de sang. Et il faut que je dise que par année, le pays a besoin entre 80 et 90 000 pochettes de sang pour y répondre avec des modules. Et il faut que j'aimerais faire 40 000 pochettes de sang. Ça veut dire que la majorité des gens qui ont besoin de sang dans le pays n'ont pas arrivé jeune. Et c'est dans les dessins, même au niveau de l'accent, on a fait des plaidoyers de sensibilisation, non seulement pour 14 postes de transfusion à travers le pays fonctionnel, parce que les gens qui ont eu pas jeune monde qui vous prend sang. Par exemple, PTS qui est dans le niveau rue 17 ans, il y a seulement deux grands monde. Et actuellement, il y a un homme qui est en congé, son seul qui a fonctionné, c'est le piquer les gens, c'est le faire tout préliminaire honnête pour permettre que les gens soient capables de faire ça, qui sont un véritable problème, parce que au moins, il faut avoir 4 à 5 personnes qui sont sur place, si il y a plus de gens qui viennent faire ça, qui sont capables de faire ça. Est-ce vraiment que c'est cause au manque d'alimentation parfaite, pas cause que. C'est pas ça, c'est pas ça du tout, parce que si vous n'avez pas de 200 pour faire ça, pas pour faire ça, il faut qu'on ait, et avant qu'il y ait un ensemble de tests préliminaire que vous faites pour regarder sous une quantité de sang pour être capable d'arriver à prendre. Donner la politique, c'est que donner un plus important pour nous que pour chaque la baille. On donne un qui n'est pas capable de baisser sans jeudi, qui est capable de baisser dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, dépendamment de raisons qui fait pas capable de baisser. Merci à vous d'interviewer. On va impliquer une question de sang parce que le don de sang à travers le monde est volontaire. Et quel que soit mon ou pas au cas besoin de sang à n'importe quel moment, il faut qu'on dise mon tout. Il y a un pile avancé qui fait au niveau médical à travers le monde. Le sang, c'est la limite de l'homme. Pour que chaque bon bagage soit capable de remplacer le sang. Dès que vous avez besoin de sang, c'est dans le laboratoire humain pour le sortir. Il faut qu'il y ait des gens qui baissent le sang pour gagner le sang. Merci beaucoup.